Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode des aventures de Tenko dans Oblivion. Donc là, en fait, c'est ici qu'il a installé ses appartements. Ah oui, il est joli le lit. Ah non, en fait, c'est mes appartements, c'est moi qui dors ici. Si je viens ici, bien sûr. Et il y a le journal, effectivement. Donc le bureau de l'écoutant et tout. Nickel, la classe. La méga classe. Bon, bah, je vais lire. Je mettrai peut-être ça en accéléré, je vais voir. Combien il y a de pages déjà? Ouais, moi personnellement ça m'intéresse, donc je vais le lire. C'est intéressant tout ça. Très intéressant même. Il y a quoi là-dedans? Bon, rien de spécial. Ah bah il doit dormir là en fait l'hôte. Oh. Il y a une pierre sigillaire ici. Ah, une réplique de la tour de la cité impériale. Ouais bon, c'est quoi cette pierre sigillaire? Dégâts de froid, 25 points sur frappe. Intéressant, intéressant. D'ailleurs, mon épée, est-ce qu'elle est enchantée? Non, elle est pas enchantée. Et sinon, c'est résistance au froid, 35% sur soi, ce qui est aussi très bien. Mais je vais la garder pour plus tard. Bon, je pense que j'ai pas tout visité. Donc, alors avant d'aller voir la demoiselle prisonnière, je vais aller voir ici. Ouais, donc ça devrait être ce qui sert de salle à manger. Et derrière, ah bah c'est les dortoirs. Salut Khajiit, donc ça c'est un messager. Puisse la mère de la nuit ne jamais cesser de veiller sur vous, écoutant. Ok. Bon bah voilà. Il semble que j'ai fait le tour du sanctuaire qui a été bien aménagé, plutôt joli, j'aime bien. Un peu rouge, cela dit. Et rouge, c'est une couleur qui a la réputation d'énerver les gens, de les rendre un peu nerveux, mais bon. Ouais, bah alors par contre, je comprends pas, genre, qu'il n'y ait pas un barman ici. Il devrait y avoir un barman. Ou alors c'est juste la cuisine. Alors, bonjour. Je pense que je vous ai tout dit. Oh, ainsi, vous avez finalement découvert la vérité. Je me suis demandé combien de temps cela prendrait pour que votre curiosité révèle le meilleur de vous-même. De quoi tu parles? Qui êtes-vous? Le vampire répugnant ne vous l'a pas dit? Mon nom est Edla. Edla Wildrunner.
Je tiens un siège au Conseil impérial en tant que représentante de Bordeciel, alias Skyrim. Pourquoi êtes-vous ici? Une de ces canailles du quartier portuaire m'a forcé à le suivre dans les égouts où ils m'ont battu et revêtu d'une robe aveuglante. Oui, donc ça c'est ce qui était un peu dit dans le journal, hein. Je me suis réveillée recouverte par les ordures, la plupart des affaires prises par des voleurs. Je suis parvenue à récupérer l'équipement d'un bandit mort. Je dois avoir pris le mauvais virage quelque part et j'ai terminé dans cette vieille ruine. Je me suis cachée dans une caisse quand j'ai réalisé qu'elle était infestée de maraudeurs. Alors, vous êtes apparu comme un esprit sombre d'Oblivion lui-même et les avait abattus comme s'ils n'étaient rien. Sans entrave, j'ai pu sortir ensuite sans souci. Après que vous soyez sorti, j'ai pensé que l'endroit était sûr et je suis sorti en regardant aux alentours. C'est quand ce vampire est apparu que j'ai couru de nouveau vers la caisse. Putain, les fautes, quoi. Notre peuple va avoir des ennuis maintenant. Le conseil va sûrement envoyer du monde pour me trouver. Laissez-moi partir, escortez-moi à la surface et nous oublierons ce qui s'est produit. Ah, d'accord. Alors, c'est possible que ce soit du bluff. Parce que c'est vrai que le journal n'indiquait pas ça. Donc je vais voir déjà si c'est du bluff. Ce n'est pas ce que votre journal indique. Quel journal? Ah, bien, ok, je n'étais pas sûr que la ruse fonctionnerait de toute façon. Évidemment, vous devez tout savoir sur moi à présent. Vous et moi, nous ne sommes pas différents. Nous apprécions tous les deux le jeu autant que nous apprécions ses récompenses pour avoir joué. Vous ne m'avez pas encore tué et vous êtes assez curieux à mon sujet pour vouloir en savoir plus. Ainsi, il vous suffit de demander. Que voulez-vous savoir? Je me demande si on peut la recruter. Ainsi, pourquoi êtes-vous vraiment ici? J'aurais espéré que le journal vous suffirait. Nous sommes venus pour trouver quelques pierres de Welkin Rouge pour un nécromancien nommé Vizero. Nous n'avions pas l'intention de piller un sanctuaire de la confrérie noire. Vous devez comprendre qu'une fois que nous avions trouvé cet endroit, nous n'allions pas simplement partir les mains vides. C'était une expédition très coûteuse et nous avons perdu beaucoup de fournitures et d'hommes pour arriver jusqu'ici. Notre ordre était de revenir ici une fois que nous serions dans le passage. Ainsi, nous étions censés nous diriger dans les égouts. Des personnes comme Janus Windstar? Oui, des personnes comme Janus. Je trouve cela étrange que vous vous inquiétez même pour quelqu'un qui est mort pendant une chasse au trésor. Vous êtes étrange. Vous tuez et pourtant vous semblez également avoir un certain sens de l'équitabilité et de la compassion. C'est vraiment fascinant. En dépit de ma décision de refuser à Vizero le prix recherché, nous devions toujours payer nos dépenses. Nos dépenses, sûrement. Ces pierres rouges sont très rares. La guilde des mages aurait payé une belle somme. Plus qu'assez pour me permettre de revenir à ma maison à bord de ciel. Votre journal mentionne un crime. Oh, correct. Une fois de plus, vous avez un sens étrange de la justice pour une bande de tueurs. Vous vous rendez compte que nous ne sommes pas différents, non? Vous accomplissez des contrats de mort avec un certain dieu chose mystérieux dont personne ne pense qu'il existe. J'accomplis des vols au nom de quelques dieux choses mystérieuses dont personne ne pense qu'il existe. Citis et le renard Green sont pas très éloignés sur l'échelle morale de l'Imperium. Les disciples des deux sont stigmatisés sur la mort. Intéressant, allez-y. Bien, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. La fortune était contre moi et ma partie, et je suis chanceuse d'avoir survécu aussi longtemps. Y a-t-il autre chose? Sinon, j'ai une proposition. Je dois être folle rien que d'y penser, mais je
Je crains de ne pas vivre assez longtemps pour vous la demander plus tard. Quelle est votre proposition? Eh bien, il s'agit plutôt d'une demande. Voyez, ma vie est déjà fichue. J'en sais assez au sujet de la confrérie noire pour vous causer pas mal de tort. Ainsi, je sais que vous ne laissez jamais volontairement sortir d'ici. Vous ne me laisserez jamais sortir volontairement d'ici vivante. Je n'arrive pas encore à croire ce que je vais vous proposer. Je veux devenir un assassin. Non, non. S'il vous plaît, ne me regardez pas de cette façon. Je suis sérieuse. Écoutez-moi. Faites-moi un résumé rapide. J'ai de nombreux contacts dans les cercles souterrains, des informations sur les endroits, les personnes et d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Il est bien connu que les contrats d'assassinat soient bien plus lucratifs que le vol. Mon désir est simple, je veux gagner plus d'argent. Vous avez encore ce regard et... Est-ce vraiment si difficile à comprendre? L'avarice, c'est un motivateur puissant. La mienne ne connaît aucune limite. Formez-moi en tant qu'assassin et je vous promets de ne révéler aucun de vos secrets. Quand j'aurai assez d'argent de côté, j'aiderai la confrérie noire à s'étendre d'un bord de ciel. Cela est sûrement une bonne valeur, n'est-ce pas? Ben voilà. Bon, c'est plutôt intéressant. En général, faire de ses potentiels ennemis ses alliés, c'est souvent une bonne chose, donc je vais accepter. Non, s'il vous plaît. Attendez, nous avons un marché, vraiment, vous ne le regretterez pas. Je ne vous laisserai pas tomber. Écoutant, je peux commencer tout de suite. Écoutant, votre présence est un honneur pour moi, que désirez-vous de moi? Vous aussi. Ouais, je l'ai recrutée, mais pour le moment elle a pas se tenue. Et... Bon, il n'y a pas de dialogue spéciaux avec elle maintenant. Est-ce que ça m'a fait achever cette petite quête ou pas? D'accord, donc faut que j'aille parler à Morgane. Non, c'est pas que j'ai lu très vite, mais j'ai juste vu le passage, il faut que je parle à Morgane. Bien écoutant, comment l'interrogatoire s'est-il passé? Avez-vous obtenu des informations utiles la concernant? J'ai décidé de la recruter. Vous quoi? Vous l'avez recrutée? Pardonnez ma hardiesse, écoutant, mais êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? Peut-on lui faire confiance? Sol City, c'est vraiment cela. Bien, oui, je suppose que c'est correct, écoutant. Je ferai ce que vous demandez pour être informé, pour être formé. D'accord. Que Citis vous garde, cher écoutant. Bon, et si je lui reparle? Écoutant, un moment, le messager d'Arken a relocalisé ici. A été en train d'explorer les égouts quand il a découvert un nouveau tunnel d'accès. Au début, le tunnel était bloqué par les débris, mais il a réussi à retirer des gros gravats afin de dégager un chemin. Après qu'il ait vérifié où il débouche, il m'a fait un rapport. Malgré le fait qu'il soit sombre et humide, il débouche directement sur la salle sanglante de l'arène. Cette découverte nous fournira un accès plus simple à la cité impériale. Nous avons un arrangement avec le maître des lames de l'arène pour qu'il garde le secret. Ah d'accord. J'ai pensé que vous devriez le savoir. Que la mère de la nuit vous garde, écoutant. Ok, t'as autre chose à me dire? Non? Bon à Au plus. revoir. Bon écoutez, c'est plutôt cool. Je pense que finalement, j'ai fait les choses dans l'ordre. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu ce truc pour que l'accès soit dégagé. Et cette quête en plus, parce que j'aurais tout simplement Bonjour. pas pu accéder à cet endroit. Donc c'est la preuve que j'ai bien fait les choses dans l'ordre. Je pense juste que j'aurais dû suivre Morgane Lafontaine jusqu'ici. Et que j'aurais trouvé une route. Et donc finalement, peut-être que vous aurez un bug qui vous empêchera de passer si jamais vous ne le suivez pas et que vous allez directement voir Arcane comme je l'ai fait.